abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Après Ça commence aujourd'hui, Faustine Bollard lance une nouvelle émission sur France 2 ce mardi 16 novembre 2021, Les temps changent. Après un documentaire de 90 minutes, elle reçoit des invités sur le plateau. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant le 20 novembre prochain. Le premier numéro est consacré à l'enfance abusée. Comme tout le monde, je me sens concernée. En plongeant dans les archives, on se rend compte à quel point nous avons été aveugles face à un film comme Beau-père par exemple. Avec Patrick Doerr qui a une relation sexuelle avec sa belle-fille de 14 ans. On s'insurge aujourd'hui pour des choses devant lesquelles hier, on a fermé les yeux. Virgule explique l'animatrice à Téléstar. Et c'est un sujet qu'elle a également choisi d'aborder avec ses enfants, Abby, 8 ans, et Peter, 6 ans. Comme tous les parents, ça me fait peur. D'autant que les personnes qui témoignent avaient l'âge de mes enfants quand elles ont été abusées. Je me pose régulièrement cette question, comment trouver le moyen de les alerter sans créer d'angoisse? Ni les sortir trop vite du monde de l'enfance, confie-t-elle. Mais faire face à ce type de témoignage n'est jamais facile, même pour Faustine Bollard qui a l'habitude d'en entendre. Elle a donc des astuces afin de se protéger face à ces lourdes histoires pour ne pas craquer. Il ne faut surtout pas se blinder. Sinon on devient une machine qui laisse les témoignages glisser sur elle. Alors, j'ai mes petits rituels. Virgule confie-t-elle. Je me réfugie beaucoup dans l'humour pour dédramatiser ou je m'efforce de revenir dans la vie de manière très terre à terre. En m'isolant dans ma loge pour faire la liste des courses, prendre un rendez-vous chez le dentiste. Point. Organiser les petites choses du quotidien me permet de revenir à ma vie, explique l'épouse de Maxime Chatham. Les temps changent est à retrouver sur France 2 ce mardi 16 novembre 2021 à 21h05.